Allô le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien. Nouvel épisode de Minecraft, Direwolfpack. Oh yeah. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que c'est peut-être pas nécessaire aujourd'hui exactement, mais dans un futur rapproché, ça va être nécessaire ou pratique. Je vais faire une ferme à Wither. Tuer des Wither automatiquement. Peut-être pas automatiquement, peut-être plus une affaire, tu payes un python, puis ça tue un Wither. On verra, faut que j'ai ramassé du soul sand, faut construire des machines. Et la machine que je veux construire aujourd'hui, c'est basé carrément sur Direwolf lui-même. C'est simple, c'est efficace, puis ça tue des Wither. Fait qu'on va se concentrer là-dessus, ça va prendre des affaires, on va se mettre dans un autre point de vue, comme cela. J'ai encore des petits problèmes de lag, comme vous pouvez voir. Puis, enregistrer fait pas vraiment de différence, honnêtement. C'est la même chose pas mal. Je sais pas ce qui cause ça. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Des fois, c'est smooth, des fois, c'est pas smooth. On se concentre pas à la tête avec ça. On va endurer ça de même. On n'a pas le choix. Jusqu'à temps que je trouve la solution à ce petit problème. Depuis le dernier épisode, j'ai fait des armes, des nouvelles armes un peu plus efficaces. C'est pas les meilleures, mais ça va relativement bien, honnêtement. C'est mieux que ce que j'avais. Ça, c'est pas mal one hit kill. On va aller voir ça. On va aller tester ça. Vous montrer ça. J'en suis heureux. Ça, c'est carrément en électrum. Les flèches du Manurulin. Manulune, mais. Voyez-vous là ce qui est écrit là? Je pointe avec mon doigt. Vous voyez ce que je pointe avec mon doigt là? Manuline Broadsword. C'est pas mal. Ça, c'est mon épée. Ah, ok. C'est ça ici. Eux autres sont en manuel. Le bâton est en bois, la pointe est en manuline, puis la queue est en des plumes bien ordinaires et très efficace, très puissant. Ils ont changé les arbalètes. Déjà, c'était. Ils chargent automatiquement. Là, je sais pas pourquoi ils font ça. Je me plains pas, ça va bien, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Ah, faut que je la crinque. Donc, ah, faut que je tire, niaiseux. Fait que c'est pas mal un coup la plupart des bits. Il y en a des fois, s'ils ont des armures de faire de même, c'est plus qu'un coup. Mais pour le moment, c'est juste un coup. La seule affaire, c'est qu'avant, ils se rechargeaient automatiquement. À cette heure, faut qu'ils rechargent manuellement. Comme tu tires ta flèche. Et voilà, il n'y a plus de flèche. Là, faut que je la recrinque. Puis là, il est prêt à tirer. Fait que c'est peut-être plus réaliste, mais c'est ça. Ils ont changé ça de même. Avant, ça se faisait automatique. Là, faut que tu le fasses manuellement. Mais on se plaindra pas. C'est une bonne petite arbalète. Là, si vous me perdez. Vous voyez, je reviens ici. C'est tout le temps ça. Je reviens ici. Là, ça lag pour un bout. Regardez ça. J'ai comme 2 frames/s. C'est ridicule. Puis là, ça va se replacer à un moment donné. Puis, hop, pose plus de questions. Fait que je peux pas m'éloigner de la maison trop tôt. Pour ça, j'ai des problèmes quand je reviens. C'est bizarre, c'est comme ça. Je vais essayer quelque chose. Habituellement, je vais là-dedans, puis je ressors, puis ça règle le problème. C'est vraiment buggant, ça. Ah, il revient pas. Weird, étrange. Ben, écoutez, je vais couper l'enregistrement là. Je vais préparer une coupe de machine. On va laisser ce lag passer là, ce lag là passer, puis que ça revienne à la normale. Puis on se reparle. Bon, je crois avoir tout ce que j'ai besoin. Blablabla. On va faire un peu de Draconic Evolution. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode pas mal fin de jeu. C'est très coûteux à faire, malgré que les éléments que j'utilise sont pas très coûteux. On va aller voir, j'utilise le Dislocator. T'as l'Advent Dislocator qui est plus coûteux, on le verra dans le futur, je n'ai pas besoin pour le moment. J'ai juste besoin de lui, pas très coûteux, ça vous prend du Draconic, blablabla, Dust. Il y en a pas mal dans le Nether, fait que j'ai mis une Quarry dans le Nether. Ça fait un bout de ça, fait que j'ai pu ramasser un peu de Draconic Dust. Pour faire des machines de base, ça prend un receptacle, ça prend de ces affaires-là, ça prend ces affaires-là, ce que j'ai ici. Vous allez voir, c'est pas des affaires très compliquées à crafter, fait que je vais vous laisser le soin de regarder les recettes, les crafter vous autres même si vous voulez le faire. Mais c'est pas mal tout ce que j'ai besoin. Ça inclut pas les affaires que j'ai oubliées.
bien entendu, parce que j'ai sûrement oublié des affaires. Là, vous allez peut-être remarquer un petit quelque chose. C'est pas ultra fluide. Vous allez remarquer que je tombe dans les trous. C'est pas ultra fluide, mais c'est pas mal plus fluide. Si on se promène, on revient. Ah, ici, ça fait... Vous voyez, quand je reviens ici, ça fait ça. C'est pas très plaisant. OK. Tantôt, ça s'est replacé, mais je pense que... Je crois j'ai trouvé c'est quoi le problème. Là, ça se replace assez vite. On n'est pas trop pire comme c'est là. Entre les deux segments, j'ai carrément démanché mon ordinateur. Ouais, ça s'est replacé. Comme vous pouvez voir. J'ai démanché mon ordinateur. J'ai passé un coup d'aspirateur dedans. J'ai enlevé la poussière. J'ai démanché la fan de sur le CPU. J'ai tout nettoyé. J'ai enlevé la poussière qu'il y avait là. Quand j'ai touché au heatsink, au puits de chaleur de mon CPU, ça m'a quasiment brûlé. C'était extrêmement chaud. Je suspectais depuis un bout que j'avais un problème de chaleur et je crois que c'était mon problème parce que là, la fluidité est pas mal meilleure qu'avant. Ça accroche encore, mais ça, c'est normal. J'ai toujours eu des problèmes même. Minecraft modé. Anyways, blablabla. Ah! Avant d'aller installer les affaires là-bas, il y a quelques petites affaires que je voulais vous montrer. Dont cette petite affaire-là. Ça s'appelle, on voit en haut, Overclock Generator. Pas très coûteux à faire. Il est ici, comme ça. Une génératrice ordinaire avec un bloc en or, blablabla. Pas très coûteux à faire. L'affaire, par exemple, c'est absolument ridicule la puissance que cette chose, ce petit... bloc absolument d'air inoffensif peut fournir. La quantité d'énergie, c'est... Mais ça consomme... ça consomme une quantité industrielle de matériaux, de ressources. OK, je vais vous faire une petite démonstration. J'aimerais ça couper l'accès aux autres génératrices pour qu'on fonctionne juste, fasse fonctionner juste elle. Oui, c'est ça. Ah, peu importe. On va allumer ça, qui va nous coûter beaucoup d'énergie. C'est la quarry qui est dans le Nether, et voilà, moins 3000, moins 6000. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Attachez votre truc avec de la broche. On allume ça. Ça, c'est la vitesse qu'on consomme, vous voyez. La chose, mais là, soudainement, on perd plus autant d'énergie. C'est extrêmement puissant, extrêmement rapide, mais la quantité d'énergie qu'on produit avec cette affaire-là, c'est un peu exagéré. Puis on peut mettre des speed upgrades en plus. Moi, je n'ai pas mis parce que ça consomme ma réserve de coal comme ça très rapidement. Mais c'est une bonne petite génératrice pour d'appoint. Vous avez besoin d'énergie, beaucoup d'énergie, vite fait. Elle, ça va faire le boulot, mais ça consomme beaucoup. Donc, on va l'arrêter. Puis toi, on va t'arrêter. Je suis en train de me faire un nouveau cristal. En passant parlant de faire un nouveau cristal, qu'est-ce qu'il a l'air? Il est pas mal à son maximum. 85, il manque juste à cristalliser ce liquide-là. Let's go. Parce que mon autre cristal que j'ai fait dans le dernier épisode, il rendait à peu près 60%. Fait qu'on va commencer à en faire un autre. Et voilà. Yeah, mais cette génératrice-là, pour dépanner, c'est une bonne option. Mais souvenez-vous, ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Là, j'utilise ces affaires-là qui équivaut à 8 charcoal chaque, 8 coal chaque. Fait que si vous mettez juste du coal, que ça va consommer, ça n'a même pas de bon sens. Ah, on va l'allumer, va vite fait. Pour remplir son buffer, mais regardez la vitesse que ça passe. C'est ridicule. C'est en train de se remplir, là? Ah oui, c'est ça. Mais vous voyez, là, j'étais à plus 4000 d'énergie, là. Si on le ferme, moi, j'étais à genre plus 200. Ça va baisser. Mais ça, je dirais que ça fournit à peu près 4000 RF par tick. Cette petite affaire-là. T'en mets 2-3 d'affilée, là? On voit ici. Ah, quoi? Generates 12800 RF à 4000 RF par tick. Fait que c'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, c'est ça. Mais ça prend beaucoup de ressources. Bon. Passons aux choses sérieuses. Allons installer cette petite ferme. Et voilà, par là. Savez-vous quoi?
Sur le toit ici, ça pourrait être une bonne place. Ok, je pense que j'ai trouvé mon endroit que je vais installer ma petite ferme. Ça va prendre... On va commencer par installer ces choses-là ici. Là, je vais le faire plus grand, je crois que c'est nécessaire de le faire. Mais... non, je vais le faire exactement comme je devrais le faire. Ça... Puis ici, on va mettre... si j'aurais dû faire ça avant, mon dieu, c'est dur à briser ça. Ah, ok. Ici, on va mettre... j'ai-tu mon réceptacle? J'ai pas mon réceptacle. Ah ah! Je savais que j'oublierais quelque chose. On va aller faire ça. Hein? Ça va prendre 2 secondes. Là, on va avoir un petit peu de lag en arrivant ici. Un petit peu beaucoup. Oups, je suis rendu dans la cave. Je voulais pas aller dans la cave. Ça va se replacer éventuellement. C'est frustrant. Bon, j'ai cassé l'écran. Il y a le lag. Oh my god! Ok. Réceptacle. Ça. Oh, qu'est-ce qu'il me manque? Il manque rien. J'ai tout ce que j'ai besoin. Je reposerai l'écran plus tard. Ah. Ignorer ce son. On met ça ici. Tiens. Là, vous devez vous demander qu'est-ce que t'es en train de faire, Chuck? T'es un imbécile, Chuck. Ta mère ne t'aime pas, il y a une bonne raison pourquoi ta mère ne t'aime pas, Chuck. Ça, c'est un shield generator. C'est pour faire des boucliers, un champ magnétique qui repousse les créatures. Bon, enfin, on y fait faire ce qu'on veut. Ah, ça va me prendre un smart wrench. J'ai-tu un smart wrench avec moi? C'est pas un smart wrench, ça. J'ai-tu mon smart wrench? Smart wrench. Je n'ai pas mon smart wrench. Il va falloir que je me fasse un smart wrench. Ok, je vais arrêter de dire ça avant que vous décidez d'arrêter d'écouter la vidéo. 2, 3, 4, 5. Là, c'est en hauteur. 5, ça devrait être bon en largeur. On va sortir ma petite... Je sais pas si j'ai assez de ces blocs-là. On va voir. 3, 4. Là, c'est en hauteur que je vais le faire 7 de haut. En espérant que je ne me trompe pas dans mes calculs. Parce que si le Wither... se sauve, ça pourrait être désastreux. Mais, on est un esprit scientifique, donc on va faire des expériences, on va prendre des chances. Je vais le faire 7 de haut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que 5, l'intérieur va être 5 de haut, la structure est 7 de haut. Ça, il m'en reste 12, ça sera pas assez. Oups. Parce que ça m'en prend 13 de plus si mon compte est bon. Non, jamais assez. Ah oui, c'est 3 par 3, donc j'ai besoin de 9 pour faire mon toit. Bon, j'ai ça. On va aller chercher un smart wrench. Je n'ai-tu un déjà fait? À la place, elle est là complètement, puis que ça lag, tout ça. Smart wrench. J'ai pas de smart wrench. Il va falloir que j'aille ici en faire un. Oups, j'ai manqué le trou. Oh, c'est pas trop pire. On est pas pire. Mais je pense que c'était vraiment un problème de chaleur. Puis ça me causait des problèmes. J'étais trop paresseux pour nettoyer. Fait que j'ai essayé plein d'affaires. Puis c'est ça. Mais je regrette rien. Parce qu'un des problèmes, je pensais que j'avais un 10 heures. Parce qu'à un moment donné, j'ai parti mon ordinateur. Puis ça me dit. Checking Drive C, il vérifiait mon disque dur, C. Là, les gels que j'ai, puis les affaires-là, c'est probablement dû à mon disque dur qui était défectueux. J'ai quand même acheté un autre. J'en ai profité pour acheter un SSD, un Solid State Drive. Yeah, ça n'a pas réglé le problème, mais je suis content de l'achat pareil. C'est pas mal plus rapide. C'est ridicule comment c'est rapide. Booter mon ordinateur de l'ordinateur fermé complètement. Qu'il n'y a aucune électricité qui va dedans. Ah, je suis sur Internet en train de surfer. 40-45 secondes.
C'est absolument incroyable. Avant, c'était 3-4 minutes avant que mon ordinateur soit assez fonctionnel pour l'utiliser. Là, ça disparaît. Là, on va mettre ça. J'ai fait un trans-dimensional receiver. Question de fournir de l'énergie. On va le mettre sur la fréquence. Power one. Okay. Receive. Parfait. Il reçoit de l'énergie. T'alimentes-lui en énergie. C'est de toute beauté. J'aurais dû amener une switch. Ça ne me tente pas de retourner à la maison pour faire une switch pour faire un levier. Prenez ça. On va se débrouiller comme les hommes des cavernes. Les hommes des cavernes n'avaient pas des systèmes comme nous autres, ça fait des leviers. Hein? Ils se débrouillaient avec les moyens du bord pour faire le levier. Pourquoi t'es à own? Je sais pas important. Ignore redstone. Moi, je veux que. Off to activate, on to activate, c'est ça que je veux. Ok, on fait notre levier. On fait des bâtons avant. Comme ça. Et voilà, on a notre levier. Est-ce qu'on fait du bon boulot? C'est ridicule. Et voilà. Là, pour le moment, c'est inutile. Je passe à travers. Mais moi, je vais toujours passer à travers. C'est des mobs que je ne veux pas qu'ils passent au travers. Fait que ce qu'on va faire, on met ça à off. On va y dire. Player pass add. Fait que première règle qu'on y donne, c'est les joueurs peuvent passer. Solide pour hostile. Fait que là, en théorie, le Wither ne peut pas passer à travers ça. Moi, je peux. Ça me rend nerveux de faire spawner un Wither là-dedans. Mais c'est ça. Et là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre ce machin truc-là. Je pense que c'est une bonne distance ici. Ça, c'est un grinder de Draconic Evolution et ça peut tuer les Wither. Fait que ce qu'on va faire, comme ça, comme ça, comme ça. Alimenté en énergie. Perfecto mundo. Il est à l'envers. On veut que le petit crâne avec les ailes de chauve-souris soit de l'autre direction. Yeah. Ah, c'est pas des ailes de chauve-souris, c'est quoi qui... Des épées? En tout cas, peu importe. Fait que là, en théorie, si un Wither là-dedans, aussitôt qu'il va spawner, il va se faire tuer par ça. En théorie. En espérant que la théorie va être bonne. Là, question de. Regardez bien ça. C'est pas ça que je voulais. Oh, ça va faire le job. On met ça à off. On monte là-dessus. Exactement au centre pour être sûr que c'est vraiment. Je pense que ça n'a pas d'importance si je suis exactement au centre ou non. On va prendre ça dans notre main. Et voilà. Là, ça, c'est un dislocator. Ça nous téléporte grosso modo. Si je m'en viens ici, je l'utilise, ça me ramène ici automatiquement. Mais on peut mettre ça là-dedans. Ça fait un portail de même. Et on se ramasse là. Vous commencez à comprendre mon principe peut-être là? Sinon, restez à l'écoute et vous allez tout comprendre. Fait que là. Le Wither, on va le faire spawner ici parce que les affaires pour faire spawner le Wither, ils seraient brisés par l'explosion du Wither, mais là, ici, ils vont être en sécurité. Fait que là, le Wither va spawner, il va tomber là-dedans et il va se ramasser ici. Puis ça, il va le tuer. Fait qu'ici, on peut mettre l'équipement qui va mettre. Yeah, le spawner. En théorie, ça devrait être fonctionnel. Fait que ce qu'on va faire, on va faire spawner un Wither. Puis on va se croiser les doigts. Croiser les doigts gros, 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 parce que c'est stressant. Êtes-vous prêt? On va se préparer les armes des fois que. Parfait, il s'en va là. Puis aussitôt qu'il spawn, il devrait mourir. Et voilà! Perfect! Techniquement, j'aurais pas besoin de cette affaire-là. Lui, il devrait le tuer aussitôt qu'il apparaît. Mais. Question de sécurité, on va laisser notre bouclier ici. C'était stressant ça, hein?
Ok, je vais en faire spawner un autre. J'ai-tu mon étoile, mon Nether Star? Nether Star? As-tu tombé en bas? Parce que je sais que des fois, ça a des problèmes avec ça, puis les affaires, ils glitchent un peu, ils font des affaires bizarres, mais... Donc, on va en faire apparaître un autre, on voit ce qui arrive, parce que c'est supposé de me donner les Nether Star. Oups, pas ça pour que je vais faire. Ça. Fait que là, ici, on a juste à mettre des blocs placer. Appuie sur un bouton, ça met le soul sand, ça met les crowns. Ah, et voilà, là j'ai mon Ender Star. Je sais pas ce qui était tantôt. Peu importe. Ok, fait que je vais aller me chercher des blocs placer, parce que je voudrais vraiment un système. Je pèse sur un bouton, ça fait apparaître un water. Fait que je vais aller chercher l'équipement que j'ai besoin pour faire le reste. Puis je vous ramène. Non, mais définitivement, c'est un problème de chaleur, je veux, parce que mon ordinateur est 100 fois mieux. Fait que si jamais votre ordinateur ralentit pour une raison, vous ne savez pas pourquoi. Une des affaires à regarder, c'est vraiment... Est-ce que votre ordinateur chauffe? Moi, j'ai pas tiré dans le BIOS, j'ai pas tiré regarder la température. Je savais qu'il était poussiéreux, je savais que... C'est parce qu'à longue, la fan, elle aspire la poussière, puis ça va tout sur le puits de chaleur, puis c'est tout des petits grillages, pour ceux qui ont jamais vu ça. C'est comme toutes des petites grilles, c'est comme un radiateur. Puis là, la poussière rentre dans ces petites grilles-là, puis ça bouche, puis la poussière... Je veux pas, après un bout, ça fait comme un petit tapis, puis ça fait une isolant, fait que ça empêche la fan de souffler l'air dans les petites grilles, dans le radiateur. Donc, le CPU n'est plus refroidi comme il faut. Puis là... Pour question de continuer à fonctionner, il ralentit pour produire moins de chaleur. Donc là, votre ordinateur ralentit, vous vous demandez pourquoi. C'était mon cas et là, j'ai regagné beaucoup de performance. Bon, là, on va prendre ça. J'ai besoin qu'on m'aime. Oui, j'ai besoin qu'on m'aime. Oui, moi. J'ai besoin d'amour. Moi, je vais me faire ma gueule. Comme ça, je pense... Comme ça, je pense que c'est le côté qui place. Ça, c'est pas ça du tout. Ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pas ça, pantoute. Hein? Vous autres, vous l'aviez vu, puis là, vous riez de moi parce que je suis un imbécile. Mais c'est correct. Nous autres, les imbéciles, on aime ça quand le monde rit de nous autres. C'est mon passant préféré de faire rire de moi. Ça, ouais, c'est beau, toute beauté. Oh my god, c'est beau, c'est une œuvre d'art, pas ça. Ça, c'est pas une œuvre d'art. Alright, on installe ça comme ça, fait que là, ça va mettre ça direct au milieu. C'est ça qu'on veut, toi, tu peux t'enlever de là. On sort ça ici. Non, ça, c'est de l'énergie, j'en ai pas besoin. Là, faut que j'alimente ça de deux manières différentes. Parce qu'il faut que tu places le soul sand avant de placer les crowns. Fait qu'il faut que tu aies un petit délai entre les deux. Premièrement, on va changer toutes ces affaires-là. Là, sont en déactivation. Je les veux à pause. Ça veut dire qu'ils vont attendre une impulsion électrique avant de placer des blocs. Fait que là... J'aurais dû amener de quoi pour... J'ai-tu de quoi là-dedans, les blocs de quel genre? On va prendre du dirt, on va aller chercher un peu de dirt ici, là. C'est pas une denrée rare, alors. Et voilà, un petit peu de dirt. On peut venir ici, on va faire ça, ok. Je dois mettre mon bouton. Dans le fond, je pourrais connecter vers le bas. Il y a une manière de... Je pense que c'est ça, hein. Cell is down. Strong signal. And out. Bon, ok, il est connecté. Ah, oh, il connecte pas après ça. Ça, c'est. Quel côté? C'est nord. Miss north. Strong signal, oups. North. And out. C'est pas important, j'aurais pu dire juste in, mais c'est ça.
Ok, il connecte pas automatiquement. C'est pas grave. Faire strong signal, faire sûr que le signal s'arrête. North, strong signal, and out. Puis là, ce que je veux aussi en haut, puis eux autres, ils vont un délai. Fait que je veux pas qu'eux autres connectent. Fait que ce que je peux faire. South. Disabled. Oh. Faudrait que je fasse. Pas south, c'est down ça. Down chuck. Ah. Pourquoi je peux pas. Out. Ah, c'est parce que. Ok. Comme ça d'abord. Ok. Ça c'est south. Disable. Alright. Come on. Alors, soyez patient. Voilà. Sti, pourquoi tu. Oh my god. C'est. Comment je fais pour. As-tu peut-être. Si. Non. Si. Non. Mais c'est poche, ça. Bon, là, je l'ai. South. Non, pas South, Esti, Chuck, allume. Down, pourquoi j'ai pas accès à Down? Est-ce que si je fais ça comme ça... Oh my god! Ok, moi je brise tout, puis je recommence. Fait que là, si je fais ça comme ça, il va me faire chier. Bon, moi, ça a l'air que j'ai plus le droit d'accéder à ce petit menu. À moins qu'il y ait une place spéciale, faut que je clique. Bon, écoutez, je perdrai pas votre temps. Je vais arranger ça. Je reviens dans 2 secondes. Bon, j'ai enfin réussi. Et voilà, on voit les lumières allumées. On voit du coin de l'œil, là, en bas, allume avant, en haut. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais ça devrait être assez. J'ai oublié de mettre un câble en bas, là. North. North. Comme ça. OK. Là, en théorie, on va l'essayer. Je vais mettre un soul sand dans chacun de ces affaires-là. Et là, si j'ai le temps, je vais essayer de automatiser la production de ces petits machins trucs là. Là, d'étoiles, le Nether Star. Je voudrais connecter ça sur mon système avec un système à distance, bien entendu. Ok, là en théorie, si je pèse sur le bouton. Ça ne marche pas. Pourquoi il n'a pas mis de sable au milieu? J'ai oublié de mettre un sable au milieu. C'est possible. Ce ne serait pas la première fois que j'oublie quelque chose. On recommence. Non, le sable est là. Pourquoi le milieu n'a pas mis de sable? Strong signal and out. Là, il l'a mis. Je devrais-tu mettre un plus gros délai pourtant? Là, la nuit arrive, ça va pas bien mon affaire. J'ai-tu un lit sur moi? Oui, j'ai un lit blanc. Un beau lit blanc. Caster, dans le nouveau Minecraft, il va avoir des lits de toutes les couleurs, ça c'est génial. Dans Minecraft Vanille, bien entendu, je parle. Donc pourquoi ça a pas marché? Pourquoi? On recommence. Ça. Est-ce que la position où je le mets dans le bloc placer, ça fait une différence? Pense, tout est beau, il y en a vraiment au milieu. Ok, on réessaye. C'est vexant ça. Euh,
Est-ce que le fait que je mets un strong signal. Ok, on va désactiver ça. Peut-être que le signal se propage à travers les blocs. Puis ça fait activer prématurément le système. Je suspecte que c'est quelque chose comme ça. Il est encore là. Je suspecte que c'est ça qui est arrivé, fait que lui se faisait activer avant lui parce que le signal se faisait transmettre à travers le bloc. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Fait que si ma théorie est bonne, là ça devrait marcher. Pourquoi il met une autre crâne là? J'avais peut-être oublié de l'enlever, j'avais peut-être... Ok. Mais là ça a marché, j'ai appuyé sur le bouton et un Wither est apparu. Ow. Là, faut juste que je trouve une manière de récupérer ces toiles. Est-ce que lui, ça veut dire qu'il récupère les affaires si je... Où es-tu, petite étoile? Peu importe, on en perd une ou deux. Là, ce que je veux faire... Ouais, je pense m'automatiser ça. Ça va me prendre quelques petits... Ok, non. Saleté. T'es où? T'es où? Anyways, je ne commence pas à me battre avec les plantes aujourd'hui. J'aurai besoin de quelques petits matériels pour faire cela. Fait que ce que je vais faire, parce que je pense bien que j'ai le temps, ce que je vais faire, je vais ramasser les autres matériels que j'ai besoin. Puis on va installer un système automatisé. Aussi que le système, mon système va pouvoir, quand il a besoin d'une étoile, il va pouvoir en faire une automatiquement sans que je vienne ici. Fait que donnez-moi 2 secondes. Savez-vous quoi? Ce système-là que je parle, yeah, power left 100%, génial. Je sais pas si j'ai assez de jus pour faire un autre cristal. On va voir, j'espère. Hein? Ouais, j'ai assez de jus. J'ai amplement de jus. C'est parfait, j'aurai un petit cristal de rechange. Okay, je vais le mettre ici. Là, je regarde ça, ce que je vais faire, il me reste plus grand temps, donc j'aurai pas le temps de finir l'épisode que je vais faire aujourd'hui. Il faudrait que je remette ça, ça me prendrait 3-4 jours, blablabla. Fait qu'au lieu d'avoir un épisode à toutes les 2 semaines, je vais faire ça un peu plus court. On va faire des épisodes plus courts, mais plus fréquents. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un commentaire en bas, je veux vos opinions. Préférez-vous que ça prenne 1 mois par épisode, mais que j'en fasse des longues ou j'en fasse plus fréquentes, genre 1 par semaine, mais que ce soit moins long. Fait que là, pour aujourd'hui, je vais couper ça là, parce que je veux absolument la mettre en main aujourd'hui. Je veux absolument avoir un épisode sorti aujourd'hui. Donc, je n'aurai pas le temps de faire le système de contrôle. De toute façon, il faut que j'y pense, parce que j'ai rencontré quelques difficultés. J'essaie de trouver une manière de faire ça. L'un des problèmes, puis quand vous pouvez me suggérer dans les commentaires, comme ça, pour le prochain épisode, quand je vais travailler là-dessus, peut-être que j'aurai une bonne idée de vous autres. Mon problème, c'est que vous avez vu le système... faut que je mette le soul cell avant les têtes parce que si ça se fait en même temps, il y a des têtes qui vont se mettre trop basses, blablabla. C'est comme si le système, s'il essaie toujours de mettre la tête sur un bloc, fait que s'il n'y a pas de bloc directement dessous, il met la tête un peu plus bas. Ben vous avez vu le résultat. Fait que ça me prend un système où c'est que moi j'avais l'intention de faire comme ça ici. On va aller où c'est ça là. Prendre un stick crafter là, on peut y dire, comme je vais dire, mais 4 soul sand, 3 crowns, ici ça va être un coffre à la place, qui met ça dans le coffre, là, après ça les items vont être aspirés automatiquement du coffre et envoyés dans les placers. Le problème c'est que je sais pas en quel ordre qu'ils vont arriver, ça se peut que les têtes arrivent avant le soul sand ou blablabla, ça dépend comment que le système décide de les mettre dans le coffre et blablabla. Et si les têtes arrivent avant le soul sand, ils vont être placés avant le soul sand et ils seront pas à bonne place. Faut que je me fasse un système pour être sûr, une fois que le crafter met les affaires dans le coffre, que seulement que le soul sand soit acheminé en premier dans les placers, après ça les crowns. C'est là mon problème, on va sûrement trouver une solution éventuellement, mais je serais curieux de savoir vous autres quelle solution vous prendriez pour résoudre ce petit problème. Fait que sur ce, je vais quitter l'épisode, je vais finir l'épisode, pas quitter l'épisode, je vais quitter l'épisode, je te quitte l'épisode, c'est fini entre moi et toi. J'en ai trouvé une meilleure, celle de la semaine prochaine.
Ah ah! Alright. Fait que je vais terminer l'épisode ici. Suggestion en bas des commentaires. Le Saint j'aime, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Puis c'est ça. On se voit dans le prochain épisode. Bye le monde.